Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission J'éduque pour la vie. Aujourd'hui, on va aller voir Annie avec ses deux chiens, Zelda et Kira. Bonjour Annie. Bonjour. Moi, c'est Ariane. Bonjour Ariane. Donc, on est ici aujourd'hui pour parler de Kira et Zelda. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec elles? Kira, finalement, elle fait un peu de protection de ressources, mais au niveau, mettons, si je vais au parc ou des choses comme ça, je ne peux pas toucher les autres chiens. Sinon, elle va avoir envie de les poursuivre, je vais dire ça de même. Ici, depuis que j'ai Zelda, même si j'ai donné l'attention à Kira au départ, c'est quand je rentre et elle en premier. Kira, c'est la plus grande? Oui, Zelda, Kira va avoir 2 ans au mois d'août, puis Zelda, elle a 10 mois présentement. OK. Fait que là, depuis que Zelda est arrivée, finalement, c'est qu'il y a des montées de colère qui se fait, des fois juste en partant d'un jeu ou des choses comme ça. OK, fait qu'il y a des petites bagarres entre les deux, mais ils n'ont jamais été blessés dans les bagarres. Non, ils ne se blessent jamais. OK, c'est comme un frappe une sœur qui se chicane. Oui, en plus. OK, super. Ils sont inséparables. Même si je veux, mettons, des fois, en séparer une, dire OK, on va prendre un break. Là. Fait que toi, continue de dormir, je vais mettre l'autre ailleurs. Automatiquement, l'autre, elle se lève, puis là, elle s'en vient rechercher l'autre. OK, fait que ça, c'est. Tu sais, depuis que tu as Zelda, je veux dire, là, c'est pire parce qu'il y a deux chiens, mais avant, Kira, elle faisait déjà comme la protection de son humain. Elle voulait pas que toi, tu ailles voir d'autres personnes, d'autres chiens. C'est ça. OK. À quelques exceptions, là, des gens avec qui je suis vraiment proche puis que les chiens ont grandi ensemble, mais sinon, je ne peux pas toucher nécessairement aux autres chiens parce qu'elle va avoir envie d'eux. Puis là, présentement, elle le fait aussi avec Zelda. Si je vais au parc avec les deux, elle ne veut pas que Zelda joue avec aucun autre chien. OK. Puis, est-ce qu'il y a des choses que tu as déjà essayé de faire pour régler le problème? Écoute, moi, ce que je fais souvent, c'est que là, au parc, c'est sûr que je vais la garder près de moi, puis j'attends qu'elle redevienne calme. Kira. Kira, oui. Puis au niveau du... quand la bagarre commence, puis que ça devient trop intense, souvent je les sépare. Puis un coup qu'ils sont séparés, là, j'attends qu'il y en ait une des deux, souvent il y en a une des deux qui va secouer la tête, fait que je sais qu'elle est revenue au calme, puis là, je vais y donner plus d'attention, puis l'autre a fini par se calmer un peu plus. OK. Bon, bien là, on va aller rejoindre Amélie Drobé, la comportementaliste. Mm-hmm. Donc, elle va pouvoir te donner des outils là, pour savoir quoi faire. Oui, j'aimerais ça. Super. Parfait. Elle n'a pas fait de clap. Bien. Oui? Si, il y a eu un clap. Okay. Salut, Annie. Bonjour, Amélie. Oui, donc moi, en fait, je viens d'aller voir tes cocos qui sont finalement dehors puis que là, ils jouent ensemble. Ils vont peut-être s'énerver. Si ça arrive, tu vois, je vais aller intervenir. OK? Oups, voilà, je les stoppe. OK? Ça, c'est une façon comment que tu peux faire pour aller intervenir, pour stopper. Moi, je veux juste que tu comprennes, en fait, que ça, c'est de l'excitation. Mm-hmm. OK? En fait, tu as Kira, qui est la plus âgée. Mm-hmm. Elle a du caractère. Beaucoup. OK. Depuis qu'elle est toute petite, elle n'a pas changé. Bon, voilà. OK. Elle est téméraire aussi. Et tu as Zelda, en fait, qui est plus craintive. Mm-hmm. OK. Kira, en fait, moi, qu'est-ce que je sens, c'est que des fois, elle veut défendre Zelda, qui sent aussi qu'elle a peur. Donc, quand tu es à l'extérieur, ça peut arriver, ça. Mais d'un autre sens, son fort caractère aussi, des fois, c'est si Zelda s'énerve trop, elle dit là, ça suffit, calme-toi. Mais là, c'est de dire à Kira, c'est pas à toi de dire de se calmer. Toi-même, calme-toi. OK? Je comprends. Fait il y a un mix, en fait, justement, comme je disais, d'énergie, OK, qui est haute. Puis c'est sûr que la meilleure chose à faire, on l'a même mentionné tout à l'heure, parce que il était à l'intérieur, on les a sortis à l'extérieur, puis même là, tu as dit ailleurs, ils sont calmes. Parce qu'on les a amenés à l'extérieur en étant calmes. Si tu gères cette excitation-là, tu vas avoir beaucoup moins de bagarres. OK. OK? Par contre, je veux qu'on comprenne c'est quoi ces bagarres-là. OK? Mm-hmm. On parle de protection de ressources. Oui. Et ça arrive vraiment souvent, ça, que des chiens ont fait qui font de la protection de ressources puis qu'on ne comprend pas pourquoi il y a de la dispute entre chiens. OK? Fait que je vais t'expliquer, en fait, qu'est-ce que c'est cette protection de ressources-là. Oui. OK? En fait, c'est l'instinct canin. OK? Il y a deux instincts qui sont restés.
malgré la domestication, hein, puis que ça fait des siècles qu'ils sont avec nous, il va y avoir la prédation et la protection de ressources. Protéger une ressource, ça peut être n'importe quoi, en fait, cette ressource-là. Okay? Mm-hmm. Ça peut être nous, les humains, comme moi, je vis. Tu as mentionné que toi, tu vis. Ça peut être un objet, ça peut être une odeur, en fait. J'ai déjà vu, OK, un chien faire de la protection de ressources avec un pissenlit. Okay. Okay. Bon, là, c'est plus difficile à gérer. Tous les chiens, en fait, il faut comprendre qu'ils font de la protection de ressources, mais à bas niveau versus à haut niveau. Plus que l'excitation est haute, plus que le chien a du caractère, plus qu'en fait qu'il va avoir une guerre à ce moment-là. Mm-hmm. Okay? Là, on parle, en fait, que ça arrive au parc à chiens parce que si toi, tu t'en vas flatter, en fait, un autre chien, oui, qui ira dire non, pas le droit. Okay? Mais est-ce que c'est elle qui décide? Non. Non, Kira, ma cocotte, t'as pas d'affaire à faire ça. Okay? Non, en même temps, j'essaie d'éviter, justement. Ouais. En fait. Souvent, en fait, qu'est-ce qui arrive? Quand on voit qu'un chien utilise la gueule, l'écran, nous, on commence à stresser. OK? Faut comprendre qu'un chien, c'est un prédateur, puis ça l'utilise, en fait, ses crocs. OK? Mm-hmm. J'en ai vu, là, OK? Des « puis, tu sais, comme toi aussi, t'en as vu beaucoup, parce que ça arrive souvent. Mais... souvent, il va avoir une énergie, en fait, qui va faire en sorte que tout le monde est stressé. Donc, le chien va réagir encore plus. Fait que moi, je vais toujours le dire, c'est super important, en fait, de toujours se ramener au calme, de respirer, OK, quand ça arrive. Puis ça va être ta fameuse technique Gowler, OK, que j'avais déjà parlé aussi quand on bloque, en fait. Hein? Fait que c'est comme si, tout à l'heure, je l'ai fait, je suis allée m'interposer. Puis le chien, il y a le ballon, OK, il y a le but, qui est la stimulation, et tu vas bloquer, OK? Fait que toi, ça va être entre l'autre chien. Fait que tu vas te mettre à l'avant de Kira et tu vas juste faire « Non, ma cocotte, je veux pas. » OK? On le dit pas verbalement, non, on le dit dans notre corps, OK? Tu as ta plus de nourriture aussi, qui peut aider. Mais c'est sûr qu'après ça, comme que je dis, la protection de ressources, c'est quelque chose quand même qui est normal, OK? Il faut tomber dans cette compréhension-là qu'elle a un fort caractère, OK, l'autre est peureuse. C'est comme, je te dirais, deux frères, deux sœurs aussi en même temps qui se disputent. Fait que ça arrive des disputes entre chiens. Des fois, on ne les comprend pas. Mais l'important, c'est de gérer cette énergie-là puis de les ramener au calme le plus possible. OK. OK? Puis là, je fais la même chose quand elle ne veut pas que Zelda joue avec les autres chiens. Oui, c'est parce exactement que là, elle fait de la pareil. Protection envers Zelda. Oui, c'est exactement pareil. En fait, il faut que Kira comprenne que c'est toi qui mène. Okay. Il faut qu'elle comprenne que, en fait, elle n'a pas besoin de faire ça. OK? Ouais. C'est à toi de prendre les devants puis de dire un non en tant que chien. OK. C'est bon. Génial. Fait que je te souhaite une belle continuité. Bien, merci beaucoup. Je suis vraiment, vraiment merci beaucoup. Ça va m'aider. Ça fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à contacter l'équipe d'éducation Pile-Poil. Sinon, on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission. Merci beaucoup. Bye bye. ...50% du verre recyclé se retrouve dans les sites d'enfouissement. Fait que, qu'est-ce que je fais? T'apportes les objets en verre dans un dépôt de verre. Où ça? Ici. Présentement, il n'y a qu'un seul point de dépôt dans le centre du Québec. Exigeons qu'il y en ait plus.